Il n'y a pas eu de proclamation officielle. En audience solennelle de la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle. C'est donc avec surprise et indignation que le mardi 8 mars 2016, les Nigériennes et les Nigériens se sont réveillés pour apprendre par les médias publics que le président candidat Issoufou Mahamadou a pris nuitamment un décret portant convocation du corps électoral pour le 20 mars 2016 et l'ouverture de la campagne du second tour de l'élection présidentielle le 8 mars 2016. L'opposition politique réunie au sein de la COPA 2016 décide de suspendre sa participation au processus électoral. 2. Demande à ses représentants de se retirer de la CENI et de tous ses démembrements.